Ça y est. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Marcia VFN. Contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais un peu parler avec vous, vous dire que je vais devoir arrêter un petit peu YouTube. Pas très longtemps, mais le temps peut-être d'un ou deux mois. Je vous explique un petit peu tout. Donc ce sera une vidéo que j'espère très rapide parce que je vais même pas faire de montage pour vous dire. J'enregistre, je mets la carte mémoire sur l'ordi et je balance sur YouTube. Alors aujourd'hui on est vendredi, je ne sais même plus quelle date d'ailleurs, le 3 je crois avril, quelque chose comme ça, bref. Et je poste la vidéo ce soir à 18h et tout à l'heure, donc il est 13h41 et je vais devoir sortir dans moins d'une heure pour aller à mon oral d'anglais parce que je suis en période d'examen blanc. Et c'est pour ça en fait que je vais pas pouvoir vous poster de vidéos les mois qui vont venir parce que je vais devoir vraiment me concentrer sur mes examens. Donc je vous explique un peu pour celles qui ne savent pas ou qui sont pas très au courant. Donc je suis Marcia, mais en fait j'ai repris l'école l'année en juillet. Et en fait je suis en train de faire un BTS en un an. Donc en fait c'est un programme hyper condensé. Donc c'est un programme de 2 ans que je fais en un an et c'est super intense, enfin voilà, c'est vraiment très intense. Et en fait depuis que j'ai repris, donc depuis le mois de juillet, en fait j'ai commencé à reposter des vidéos au mois d'août jusqu'à maintenant. Et en fait j'ai réussi en fait à concilier ma vie de famille, ma vie personnelle, ma vie de famille, ma vie de femme, ma vie d'épouse avec YouTube et avec l'école. Ça n'a pas été facile, je vous assure. J'ai fait des fois quelques nuits pas blanches, mais des fois où je dormais, je me couchais à 2 ou 3 heures du matin rien que pour finir le montage d'une vidéo. Et là en fait bon, je suis vraiment très fière de moi, de ce que j'ai pu accomplir pendant cette année. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais du coup là en fait je vais vraiment devoir faire un break par rapport à YouTube pour pouvoir me concentrer sur mon diplôme que je vais passer enfin dans moins d'un mois, à peu près dans un mois et demi. Et c'est pour ça que vous verrez que je posterai un petit peu moins de vidéos le temps que vraiment que je me concentre et que je passe les épreuves. Et ensuite je reviendrai vers vous pour vous donner des bonnes nouvelles, j'espère, voilà. Mais en tout cas, voilà, donc c'était juste une vidéo pour vous faire un coucou, pour vous dire que j'étais là, mais que je serai absente un petit peu de temps, et voilà, voilà. Donc, dès que j'arrête cette vidéo, donc il n'y a pas de montage, mais vraiment rien du tout, parce que j'ai, en fait, enregistré des vidéos, c'est pas vraiment ça qui prend du temps, mais ce qui prend vraiment beaucoup de temps, c'est le montage des vidéos. Donc c'est pour ça que, en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo la nuit pendant que j'essayais de dormir et que j'arrivais pas à dormir, mais j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Mais enfin voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo jour J pour le jour même en fait, une vidéo que j'enregistre le jour même pour la poster le jour même. Ça fait très très longtemps que je ne fais pas ça parce que les montages prennent énormément de temps. Et donc voilà, voilà pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe. Donc je reviendrai vers vous très bientôt avec de nouvelles vidéos. J'en ai déjà enregistré une par rapport aux cheveux de ma fille, mais vraiment que j'ai pas eu le temps de monter. Donc enfin voilà, c'est vraiment pour vous expliquer que j'ai eu le temps d'enregistrer mais pas de monter, et je sais que je ne pourrais pas consacrer ce temps pour monter en fait la vidéo. Donc je reçois tous vos encouragements, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, portez-vous bien. Et toutes celles qui passent des examens, je vous souhaite aussi de bonnes chances à toutes, concentrez-vous bien, succès, succès, succès à vos examens. Et pour toutes celles qui ne passent pas d'examen, écoutez, profitez de la vie, profitez du temps que vous avez, et voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et j'espère revenir vers vous très très vite. Ciao ciao.